On aurait chaque 14 janvier par une messe d'action de grâce à la paroisse d'Azon-Lissé dans la commune d'Adjoum. Le père Dominique Adeyemi est l'un des concepteurs de Wemerwi. Oui, je rends grâce à Dieu avec vous et pour vous pour dire merci au Seigneur qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver cette année à Azon-Lissé pour dire merci à Dieu pour ce patriarche qui nous a donné et dont les restes précieux reposent dans la terre de la vallée de Wemé. Et je voudrais avec vous, fredonner ce chant. Midoku Mao, Midoku, Midoku, Nitekwe, Loda Gwinton Letame, Loda Gwinton Letame. Après cette messe de chant et d'adoration, la délégation constituée des organisateurs de la fête de Wemé et quelques partenaires se sont rendus à l'orphelinat des sœurs d'Azon-Lissé pour y offrir des présents. Nous sommes arrivés ce matin après la messe pour le père Adeyemi. Nous sommes venus faire un don. C'est une œuvre commune que nous venons de faire avec la fondation des amis de AZ et la fondation de père Adeyemi. Des Wemenou résidents à Sekandi, à Cotonou. Nous avons fait don de vivres et une enveloppe symbolique pour leur permettre de régler les problèmes de scolarité des enfants. Il y a des scolarités non payées. Et nous avons eu le soutien de nos partenaires de Celtis pour compléter cette enveloppe-là. Ça fait 15 ans que nous nous sommes retrouvés sur cette paroisse où dit une messe. Et c'est à l'issue de cette messe qu'est née Wemerwi. C'est pourquoi chaque 14 janvier, nous venons à Azon-Lissé. Cette étape importante de la célébration de la fête des fils et filles de Wemé, prévue pour le 29 janvier prochain, lance les hostilités.